你好，你好，欢迎，请进。你好，欢迎你们我们家。有戏，两年前就签到我们的系主席，但是我很幸福，因为我不但见到他，我还给他握了手，跟他聊了几句中文。这前面是我首先感觉，就是不是真实的事情在发生，还是以为你在健身，但是后来就认出来真的，真的他是大妈，哎呀呀！就这种能经常在电视看到他，当你当面前面，真的有感觉前了一个善良的，就跟英雄的那种人。但后来讲，对奥运会重要的工作，整个政府也支持我们那很重要的这个项目，就是感觉大家都能这样的激动的很亲近的。就跟像一个亲近的朋友，你正好我老公来了，我跟你介绍，因为他也签过习主席。在爱路见到习主席的一个月后，习近平访问法国，在爱丽舍宫的欢迎晚宴上，她的丈夫帕斯卡也见到了习主席。马克龙总统，把老公介绍给习主席说，这位先生是我们法国的家喻户晓，然后他也很喜欢很热爱中国，算是中国迷。尤其说就还握了我的老公的胳膊说，哦，那你那么强，难怪你没有对手。后来就你给我讲的武术，对对对，哦，我非常喜欢武术刀锋鬼，这哦很棒。对，il peut être ici à très très haut niveau et également il peut être proche du peuple quand il vient, quand il se déplace dans certaines provinces et qu'il prend le temps de parler. Il a été à Shougang pour rencontrer les membres qui travaillent pour l'organisation des Jeux. Voilà, tous ces membres qui sont là et qui tous les jours travaillent pour faire en sorte que les Jeux Olympiques soient un succès. Et le président chinois est venu pour à leur rencontre, pour leur parler, prendre le temps de leur discuter avec eux. Donc c'est vraiment fantastique d'avoir un leader comme ça. Il a regardé nous, et il a très regardé à l'Union. Il y a eu ce genre de formes, que Xi Jinping regardé nous, il y a un grand soutien. En 1998, Ailu est venu à la Chine pour apprendre le chinois.2008年，艾露进入北京奥组委从事法语翻译工作，这是艾露在中国找到的第一份工作，她也因此收获了自己的爱情。那时候跟奥运会不特别熟，我就是因为中国就加入到那个奥运的那个世界。2008年奥运会之前就还会认识了我的老公。Moi j'étais très très triste parce que je m'étais blessé un mois avant les Jeux et je n'ai pas pu. Mais j'ai rencontré mon épouse et on s'est mariés, on a des enfants et aujourd'hui je suis l'homme le plus heureux. Et donc je peux dire que j'ai rencontré l'amour à Pékin. Pékin a eu beaucoup. 那时候根本不知道，几十年后我还会有机会回到北京，然后参加冬奥会。北京奥运会后，艾露的丈夫帕斯卡因伤退役。此后，艾露夫妇定居北京，从事与体育相关的工作。体育强，中国强，国运兴，体育才兴。我们现在的目标呢，就是建设体育强国，要加快建设体育强国。Mais globalement, j'ai conscience que Xi Jinping a compris que le sport était bon pour la nation. 对我们外国人来说，我们
能看到就有这样的一些五年的一些计划，就会强烈支持体育的那某个活动，这个是我们很羡慕，因为我们政府可能没有这种计划。自从2008年到现在，我能看见有很大的改变，普通观众也更多的参与到体育的这种。北京又成为呢，既办过夏季奥运会，又要承办冬季奥运会的唯一一座国际城市，一定承诺把它办好。De fabuleux et tout cela c'est dû aux dirigeants. Ce sont les dirigeants qui poussent la politique sportive et qui encouragent les gens à pratiquer le sport. Il y a vraiment un truc qui me touche à cœur et dont j'ai envie de parler. Aujourd'hui, les relations sont très tendues avec la Chine et moi je suis très triste parce que beaucoup de gens disent la Chine c'est pas bien, les Chinois. Et en fait, c'est beaucoup des gens qui sont jamais venus en Chine et qui ne connaissent pas vraiment la Chine et les Chinois. Et comprendre que la Chine est un très grand pays et qui est ouvert au monde. Les Chinois sont ouverts, ils aiment accueillir. Ils l'ont montré lors des Jeux en 2008 et ils ont montré également à Nanjing pendant les Jeux Olympiques de la jeunesse. Et en 2022, à Pékin, il y aura les Jeux d'hiver et ce sera l'occasion de pouvoir accueillir le monde entier, mais dans l'esprit des Jeux Olympiques, dans les valeurs de l'Olympisme. 欢迎全世界的朋友，2022年相约北京，欢迎你们，欢迎朋友们。